Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Fini News. Les nouveautés. Pour accompagner l'arrivée des beaux jours, les habitants de la forêt ont pour mission d'organiser la plus belle des fêtes. Dans Maple Valley, explorez un univers doux et réconfortant et sillonnez les différents chemins de la vallée afin d'y collecter des objets indispensables à la réussite des festivités. Avec l'extension Finesse, le jeu de réflexion Project L revient sur le devant de la scène pour vous faire travailler les ménages. Cette boîte additionnelle apporte une profondeur stratégique supplémentaire grâce à l'ajout d'objectifs demandant différentes conditions pour obtenir encore plus de points. Attention aux nœuds au cerveau! Sort également cette semaine Project L Ghost Peace, Earth 7 d'Upgrade, Rangers of Shadowdeep, À travers les Terres Désolées et une autre d'autres. Bientôt disponible! Dans ce donjon crawler fantastique et coopératif, stratégie percutante et gestion de ressources aux petits oignons seront nécessaires pour obtenir la victoire sur les ténèbres. Le jeu se compose de scénarios immersifs jouables séparément ou en continu. Cette quête du bien est faite pour vous. Le célèbre jeu de dés et de fabrication de vitraux Sagrada est de retour dans une version Legacy. Au fil d'une campagne intense s'étendant sur plusieurs générations, créer des vitraux à la complexité croissante, débloquer de nouveaux outils et de puissantes capacités, et façonner l'histoire de votre famille. Vous êtes dans un monde fantastique où dragons, monstres et esprits sont rois. Dans The Veil of Eternity, chassez et apprivoisez ces créatures mythiques pour devenir le plus grand dresseur de divinités. Faites-en vos serviteurs et affrontez vos adversaires dans ce jeu de gestion de main et de collection épique. Quoi de neuf sur le site ? Le calendrier de l'Avent de Martin Wigbert est de retour. Tous les jours en page d'accueil du site, découvrez les péripéties de ces personnages loufoques et suivez leur aventure jusqu'à Noël. De quoi vous donner le sourire et bien commencer la journée. Les Fini News, c'est terminé. À la semaine prochaine et vive les Bredelins !